Bonjour à tous, VapingBeans ici pour une petite vidéo à Reflex Boutique encore. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Inaware Shop pour le do-it-yourself et je voulais vous faire aussi également un petit Reflex sur une boutique française qui propose aussi du matériel, des arômes, des bases et tout ça pour le do-it-yourself. C'est le site Arômes et Liquides. Je vous mettrai l'adresse hein, bien entendu dans la description. Alors Arômes et Liquides, ils avaient, alors là j'ai honte parce que j'avais passé une commande chez eux, j'avais reçu une super carte, en fait leur carte est façon petit menu de restaurant, c'est enfin, de restaurant où vous savez le menu de dessert et tout, c'est génial, magnifique, par contre j'arrive plus à remettre la main dessus, c'est pas grave, je vais repasser une commande bientôt, j'en aurai à nouveau j'espère. Alors Arômes Liquides, au niveau des produits proposés, c'est super, on retrouve des produits Inaware. Okay. Donc jusque-là, bah, c'est cool. Ça évite de les commander en Pologne. C'est toujours ça. La seule chose, c'est qu'on ne les retrouve pas dans le même conditionnement que chez Inaware. Après, voilà. Par contre, je trouve leur fiole plus pratique. Voilà. Donc, c'est voilà. Donc je suppose que les gens qui sont à la tête de cette boutique s'amusent. Ça doit leur faire du boulot d'ailleurs, à reconditionner pour mettre dans des fioles qui sont en effet beaucoup plus pratiques que celles d'Inaware de base. Donc ça c'est cool parce que les fioles Inaware, quand je les ouvre, moi j'ai le bec verseur qui part toujours dans le bouchon. Donc à chaque fois c'est un coup de pince pour l'enlever, c'est galère. Là leurs fioles sont super, petite fiole à vis, machin, nickel. Au niveau des arômes, donc on retrouve bien entendu les produits Inaware, on retrouve aussi les produits Perfumeur Apprentice, ça c'est cool. On retrouve des produits Flavor West. On retrouve des additifs, chose qu'on... Il y en a un ou deux chez Inaware, mais là on va retrouver des additifs sympathiques comme le sweetener, qui sert à sucrer ses préparations, ce genre de choses, donc ça c'est cool. Vraiment beaucoup de matériel, aussi on va retrouver des flacons, des pipettes, des seringues, des machins. Tout ce qu'il faut pour commencer le do-it-yourself dans de très bonnes conditions. À savoir que la boutique est accolée à un forum qui est tenu donc par la boutique, où les utilisateurs échangent leurs recettes, donnent leurs avis, leurs conseils, demandent des infos et tout ça. Donc ça c'est cool parce que il y a une belle communication qui se fait derrière et ça c'est génial parce que c'est vrai que quand on débute le do-it-yourself, on est un petit peu perdu, on a plein de petits flacons, plein de machins, plein de trucs, on se dit oh chouette, je vais pouvoir faire plein de trucs. On fait 2-3 essais qu'on rate et là on se dit ouais, bon. Et en fait, il suffit de s'entraîner. Il y a des petits trucs à respecter, des petits machins, et puis on y arrive. Et je vous le dis très sincèrement, moi généralement, je prépare mes petits flacons le dimanche, et je m'amuse. Je m'amuse à jouer à l'apprenti chimiste, à mélanger 2 gouttes de ci avec 3 gouttes de ça, et ainsi de suite. Les laisser pendant une semaine. Alors là, c'est pendant une semaine, c'est. Je veux goûter, attends, je les sens, je les secoue, histoire de les mélanger, celui-là il va être top, on le vape, il est dégueu, on le jette. Alors ça arrive, c'est le grand classique. Par contre, quand vous arrivez à, il sent bon, vous le vapez, et là vous faites, ouais, et ben là je vous promets que rien que pour l'ego, c'est très valorisant. Non, c'est super. Le truc c'est de pas faire n'importe quoi, bien sûr. C'est vrai qu'on a envie d'essayer plein de choses. Moi je sais que mes premières commandes d'arômes, j'en ai commandé des dizaines pour tout essayer. Enfin, tout essayer. Puis en fait, je me rends compte que je vais tourner sur 4 ou 5 recettes et puis ça ira très bien. Mais bon voilà quoi, ça fait partie du fun du truc. Donc petit retexte sur Arômes et Liquides. Alors à savoir qu'au niveau livraison, c'est super rapide. Hein, donc généralement la commande est préparée le jour même, ou plus tard le lendemain. Normal, hein, on aimerait bien que ça arrive une fois le clic payé, une fois qu'on a cliqué sur payer, on aimerait bien déjà que ding ding bonjour c'est le facteur. Bon, faut pas rêver. Le jour où ça arrive, c'est top. Celui qui invente la téléportation, il fera fortune. Mais le fait est que voilà, donc le service est bon. Le service est rapide, les produits sont de bonne qualité. Bon, déjà on est pas mal. J'oubliais, petite cerise sur le gâteau, il y a un petit programme de fidélité au sein du site, hein, au fur et à mesure où vous commandez, vous cagnotez des points qui vous donnent une remise et tout ça, c'est cool. Mais surtout, moi j'apprécie 2 petites choses. Déjà j'apprécie les frais de port offerts à partir d'une certaine somme.
Je sais, alors, faisant moi-même aussi de la VPC, je sais combien ça coûte cher, les frais de port, c'est une horreur. J'en reviendrai pas sur le sujet parce que je vais m'énerver et puis j'ai ma tension qui va monter. Mais je sais que c'est horriblement cher et le fait qu'une boutique les offre à partir d'un certain seuil, qui là en plus c'est plus très, pas très haut, je me souviens plus, j'ai plus le montant exact, c'est marqué sur le site bien entendu. Mais moi j'apprécie ce genre de geste. Et chose que j'apprécie, c'est que au fur et à mesure du montant de votre commande, vous pouvez avoir des petits cadeaux. Et chose très intelligente, et là pareil j'apprécie vachement, c'est que le petit cadeau c'est un arôme. Un liquide dans le même conditionnement que les autres, donc c'est pas un truc de test, une petite fiole de test, voilà. Non, c'est un arôme que vous auriez pu acheter, qui vous est offert, et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez le choix. Donc ça, c'est cool. Moi, j'apprécie beaucoup. Alors le choix est parmi une sélection, hein. Vous n'avez pas forcément 12 millions de produits à choisir, mais il y en a bien, peut-être pas loin d'une 10-15, donc. Chacun s'y retrouve à se dire, bah tiens, soit celui-là j'en avais besoin, bah, je l'aurai comme ça gratuitement dans ma commande, c'est sympathique. Ou bah tiens, celui-là je voulais l'essayer, et ben bah, on l'offre, c'est super sympa. Donc bref, arôme liquide, ben en fait, si vous voulez vous mettre au do-it-yourself, si vous êtes réfractaire à commander en Pologne, si vous avez envie d'être livré vite, ben je crois que vous avez l'adresse où vous adresser. Notez l'adresse où vous vous adressez. Donc c'est arôme liquide. Je vous mets bien entendu toutes les coordonnées du site dans la description de la vidéo. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vape. Moi-même, j'adore mon mode. Je l'adore. Et en plus, comme c'est un cadeau, ça me fait encore deux fois plus plaisir. Allez, sur ce, bonne vape. À bientôt. Salut!